nous avons réalisé au niveau de l'île Amorphile une dorsale, et disons même plusieurs dorsales, pour une longueur totale de 85 km. La principale, pour une longueur de près de 50 km, couvre la zone allant de Cascas à Patigalo et qui permet d'alimenter près de 22 localités. Globalement, le projet a coûté près de 3 milliards et nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux. On a noté que tous les villages situés le long de la dorsale Cascas-Patigalo sont déjà mis en service presque en totalité, à l'exception de deux ou trois pour lesquels il y a quelques travaux complémentaires qui doivent être exécutés et qui seront faits dans les prochains jours. Globalement donc, les travaux sont exécutés, réceptionnés et mis en service pour une enveloppe de près de 3 milliards de francs CFA. Au total, dans l'île Amorphile, c'est 34 villages qui sont concernés par le programme d'électrification rurale. Dans la zone allant de Cascas à Patigalo, nous avons 22 villages, dont les villages principaux comme Demet, Walalde, Boki, Dara Halaibe et Patigalo, sans compter aussi des villages comme Siouré-Tiambe où nous sommes présentement.